Thank you.
aussi, alors est-ce que Thierry Stéphane, tout ça, je vais le laisser dans. Ah non, c'est clean ou non, est-ce que. Alors, je crois bien, c'est qu'il fabrique un truc un peu sécurisant pour ça. Pour éviter de se faire taper. Pour éviter de se faire taper. Ouais, mais du coup, c'est pas fait, donc je dis, mais c'est assez rituel, enfin, alors, c'est pour l'année prochaine et pour mettre les bacs là-bas, tu vois, genre les jeux faits. Thank you.
proche ou le partenaire que thank you.
Impeccable. Tout va bien? Tout va bien. Juste ça, je sais pas pourquoi j'ai pas fermé. Je vais fermer. Et faut que je prenne le super de ma bisous, bisous. Ciao. Thank you.
J'étais là, j'ai bu ça peu du sirop. Non, pas tout seul, non, j'étais avec. Ah, mais là, ouais. Ouais. Je sais pas, peut-être 5, un truc comme ça. Ouais, je sais. Ben non, mais je pense que je vais passer. C'est à quelle heure? Oh là là! Je sais pas, c'est. On va essayer de ça, faire ça peut-être vers 19h, je pense. Ouais. On allume le truc. Elle a dit 8, dirais-je ? Non. Ah ouais. Jusqu'à 2h30. Putain, c'est cool ça. Thank you.
Je veux pas.
quoi. Non, en fait, en général, je me réveille à 10h30, mon réveil sonne et je suis en mode. Alors réfléchis, allez, si tu vas à l'école à 13h30, est-ce que c'est grave? Tous les matins, ça m'a fait la même. Mais ouais, le matin, ça devrait même pas exister. Pas j'adore le matin. Bisous. Maillot de bain, oublie pas. Hein. Ouais, maillot de bain, petit pois, c'est bon. Petit pois? Ouais, il Bisous. Non, on a une bouton, je sais pas. Ah, il y a une nuit. C'est un beau croissant. J'ai vraiment une révélation tout à l'heure. Non, mais j'ai commencé à faire un truc. Genre, j'ai commencé à écrire des choses à propos de, des chansons. À propos des chansons que j'écoute en boucle, genre, j'écoutais beaucoup Eric Satie, c'est la chanson avec le fond de café, tu vois. Toutes les chansons que ça fait même celles que j'écoute en boucle depuis juillet dernier. Et en gros, j'ai commencé à écrire un peu, pour te faire comprendre, genre quand on faisait le hardcore, comment ça s'appelle. On nous mettait de la musique et on devait dessiner, tu vois. C'est un peu la même chose, en un sens, avec des mots, tu vois. Mm-hmm. Et j'ai fini par aboutir à une histoire sur la chanson de... C'était sur quelle chanson sur justement la chanson de Tommaso Albinoni, je l'ai mis un milliard de fois. Je pense que comme ça, tu vois pas ce que c'est, mais, non, mais tu vois très bien si je te le mets, enfin voilà. Dans un truc de classique, partiellement classique. Et c'est l'histoire d'un homme qui dit, regarde sur le trottoir d'en face, il y a quelqu'un qui marche. Et regarde cette personne. Et cette personne, en fait... moi, j'ai un truc qui m'a toujours marqué, qui marquera toujours, je pense, c'est L'homme qui marche de Giacometti. Tu vois. Que je fais connecter avec... tu l'as vu, il était une fois dans l'Ouest. Non, je l'ai pas vu. Il y a toujours cette image floue de cet homme qui marche, qui arrive, mais qu'on voit jamais en vrai. Enfin bref. Et en gros, donc là, c'est l'histoire de ce type qui est dans la rue et qui marche. Et on dirait qu'il s'est jamais retourné, en fait. Il s'est jamais retourné. Et on dirait qu'il a vécu quelque chose, mais il a les yeux anormalement et naturellement exorbités. Et il avance. Et on pourrait penser qu'il n'a jamais s'arrêté, mais il est tout frais, on sait pas, enfin il est... Et pourtant il avait quelque chose de très gracieux de base, enfin ça se voit, enfin très avancé, enfin c'est enfin les longs corps comme ça, mais il a plu parce qu'il a l'air triste. Mmh. Et en fait il va se retrouver devant son image, sa propre image, sa copie exacte en fait, tu vois. Dans la rue? Dans la rue. Et c'est la seule chose en fait qui va faire que... Il va se retourner. Je sais pas, enfin sur le coup j'aimerais. Ce que je me suis dit c'est ouais il est à la fois perplexe et gêné et enfin il comprend pas et ça le fin. Il aime pas cette sensation. Enfin, c'est genre c'est, tu te vois, t'as arrêté devant. Tu marches dans la rue et tu te retrouves face à toi. C'est très bizarre, tu vois. Même moi qui ai une soeur jumelle, il faut, c'est pas pareil, tu vois, mais vraiment quelque chose d'intact, même une vraie jumelle, ce serait pas pareil, tu vois, genre. Et c'est la seule chose qu'il va faire qu'il va se retourner en fait. Et là en fait c'est atroce parce que c'est ce qu'il redoutait le plus je pense. Et il voulait pas se retourner vraiment. Et en même temps on a toujours besoin de se retourner parce que c'est un réflexe. Et on n'a pas des yeux derrière la tête. Et là il se retourne et c'est comme si tout s'écroulait en fait. C'est comme si tout ce qu'il y avait derrière lui s'écroulait. C'est un film ou c'est un... Eh bien écoute c'est ce que j'ai écrit par rapport... Ah c'est ce que t'as écrit? Oui. Par rapport à cette chanson c'est... Enfin, en fait, vraiment, j'ai pris cette chanson comme ça et comme un commencement, il y a quelque chose, mais qu'on prend en cours en fait. Et enfin, c'est tout court hein, ce que j'ai écrit. J'ai presque écrit que des mots, presque, tu vois. Mais c'est un peu ça, ouais. Et en fait, j'ai fini par faire le rapport avec un peu méduse, tu vois. Genre, être médusée, enfin, elle s'est fait avoir aussi, tu vois ce que je veux dire. Genre, enfin, et je sais plus si c'était à propos de ça, mais enfin.
enfin être médusé de son propre regard et enfin ce qui t'amène en fait à la mort de toi, mais enfin tu vois, c'est la chose qui va l'arrêter en fait, qui va le stopper. Il se retourne et pourtant c'est pas le regard qui le tue, mais c'est, il se retourne et il se retrouve devant un peu, enfin je dirais son histoire, enfin son, tu vois, son, ouais, devant peut-être ce qu'il redoute, bah, tout, tu vois, ce genre, s'est passé. Enfin en fait je trouve que le retournement, c'est là que je me suis dit vraiment, le retournement c'est vraiment intéressant, pourquoi tu te retournes, tu vois, tu retournes parce que tu c'est les gardes, c'est tu fais, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe derrière moi, tu sais pas, tu sais jamais, là, est-ce que derrière moi il y a quoi, tu vois, genre, je sais pas, tu vois, genre, et ça m'a fait vraiment flipper en fait, tu vois. C'est tellement ce qui se passe le soir quand je rentre chez moi en plus. Bah ouais, c'est ça, tu vois, en même temps tu traces, en même temps est-ce que tu te retournes, tu vois, est-ce que... Ouais, ou alors, non, en fait, non, vaut mieux que... pas, parce que sinon tu vas croiser le regard ouais, de quelqu'un. Ou même quand le tram arrive, tu vois, quand il fonce, pas forcément le soir, et que là tu te dis, même si tu te retournes, tu vas perdre du temps, tu continues, tu fonces, tu vois, genre. Et voilà, je sais pas, ça m'a rendu un peu perplexe, mais... Et je sais pas, le fait d'avoir fini sur médusé, je sais pas, j'ai écrit la fin, c'est médusé, genre c'est tout. Je sais pas, je... Enfin là, en plus, j'étais en train de lire Méduse, donc ça m'a... Je sais pas, enfin, c'est... Mais... Homme désertant, désertique, désert invisible. Enfin... Est-ce que tu vois le cliquetis du tram à Borélian? Je sais pas si tu vois. Ouais. Tout le matin, ça me frappait, en fait. Autant que c'était le seul qui faisait ça, tu vois. Et dans une des chansons, c'était une autre, et bah j'imaginais un couloir où il est un peu instable et sinueux et étroit, où en fait toutes les deux secondes il y avait une ouverture, ouais. Lumière, obscurité, lumière, obscurité, lumière, et c'est ça le cliquetis du tram, tu vois, parce que tout à l'heure je l'ai vu en passant et ça m'a connecté, enfin bref, et je sais plus, enfin non, mais je pense que j'ai un problème. Ouais, je sais pas. Enfin bref, de toute façon, je sais plus ce que je voulais. Je sais pas. Tu veux que je fasse quoi comme tête? Je sais pas, t'as une envie particulière. Tu veux jeter la langue peut-être? Je peux fumer aussi. Tu veux que je fasse mon hurlement? Ah non, j'arrive plus. Attends, je vais essayer de faire un truc. Attends. J'arrive plus. Non. C'est plus que tu pousses ta voix là, parce que tu fais que le souffle là. Oh, j'arrive plus. Ah, t'essayes de dire « homme désertique, déserté ». Femme passionnée, mais... Fatale. Femme... Je ne sais plus. Passive. Femme... Endormie. Non, pas endormie. Femme... Désertée. 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 Le tunnel, ouais. Il n'y a pas un livre qui s'appelle Le tunnel? Moi, il arrive que je l'ai vraiment lire. Non plus, je sais pas quoi faire, Gaëlle. Faut que je les trouve. Est-ce que t'as déjà entendu parler de... Sur la route de Deep? Il faut que je trouve ce livre. C'est un livre philosophie. C'est pas sur le Deep, mais c'est sur un peu, je pense. C'est la roche, mon coup. Enfin, de toute façon... Thank you.
ça me la bite. Non mais c'est vachement, en fait quand tu regardes avec un regard d'adulte, genre c'est limite intéressant Fumis parce que genre ça te parle vraiment de la, ça te parle un petit peu de la société, en fait t'as un double discours, tu sais. Non, pas ton doigté avec lequel tu manipules son appareil photo. Filme le doigté de Damien. 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 Tout ce temps qu'il y a. Oh, je jouis. C'est la musique la pire qu'on ait pu inventer. Elle est hyper énervante. Et hyper niaise. C'est la fin. C'est dingue qu'on ait pu. C'est genre le rococo en peinture. C'est même pas les notes, c'est même pas les chanteurs qui sont niais, c'est le style.
Thank you.